Il existe dans la famille de la fabrication de grandes entités, de manières de faire de la fabrication additive. La fabrication additive directe, qu'on maîtrise bien, qu'on connaît bien sur Bourges, qui est la fabrication de type fusion laser, lit poudre. Et d'autres approches en termes de fabrication additive, qui sont la fabrication additive indirecte. Je laisse la parole à Maxime Fayolle, qui est chez nous responsable d'activité fabrication additive au CETIM, pour vous présenter ces technologies. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter un peu un état de l'art sur la fabrication dite indirecte en métallique. Donc, au niveau du CETIM, on s'intéresse à ces technologies depuis à peu près 5 ans. Problème avec le micro. Pour improviser. Bah, j'ai pas la main pour passer des... Les friser. Voilà. Donc, le constat qui a été fait sur la fabrication active métallique actuellement, c'est qu'elle représente à peu près 10 milliards de dollars par an dans un marché qui représente 12 000 milliards de dollars. Donc, il y a encore une marge de progrès qui est assez conséquente, mais elle est liée à certains verrous qu'on souhaite lever, notamment au niveau des coûts de production. On sait que les machines de production, fabrication directe, ont des coûts de production assez élevés et qui ne se permettent pas de s'adresser à tous les secteurs d'activité, notamment tout ce qui touche le grand public. Des capacités procédées qui sont assez limitées actuellement. On est souvent obligé de fabriquer une éprouvette par plateau de fabrication pour s'assurer de la qualité des produits. Et une éligibilité des matériaux qui est assez faible. C'est-à-dire que dès qu'un matériau n'est pas soudable, il n'est pas réalisable avec des procédés directs. Donc, fort de ces constats-là, on a travaillé depuis 5 ans sur d'autres technologies. Donc là, on peut voir les différentes technologies de fabrication additive. Donc, ça est issu d'une étude à M-Power, où on peut voir les trois grandes familles de la fabrication additive métallique. Donc, en rouge, c'est les procédés les plus connus et les plus historiques, qui sont la fusion laser, avec tous les procédés d'autres fusions, aussi le CLAD, le WAM. En vert, on verra cet après-midi une autre présentation sur les nouveaux procédés qui sont liés à de la déformation de matière, pour arriver à solidifier de la matière par de la poudre et de la projection de poudre. Et il y a une troisième voie qui, depuis à peu près 5 ans, est en fort développement. C'est tout ce qui est la procédé, on va dire, indirecte, qui consiste à fabriquer la pièce en deux étapes. On va faire une mise en forme de la pièce et on va la consolider, lui donner ses propriétés mécaniques en utilisant une opération de frittage. Donc, l'opération de frittage est une opération issue de la métallurgie des poudres. Donc, la métallurgie des poudres, c'est quelque chose qui est utilisé depuis les années 60 en grande série. Le principe est le suivant. On va utiliser une force motrice qui est liée à la diminution naturelle l'énergie de surface. Quand on a deux molécules proches l'une de l'autre, l'énergie de surface est 10 fois supérieure à l'énergie de surface des deux molécules réunies. Donc pour activer ce phénomène, on va utiliser de la diffusion. Donc, c'est-à-dire qu'on va monter à haute température, proche de la température de fusion, mais on va rester en état inférieur. On va avoir une diffusion des grains de matière les uns dans les autres pour densifier et consolider la pièce. Donc, pour illustrer rapidement, c'est la même chose que vous prenez, quand vous prenez deux gouttelettes d'eau et que vous les rapprochez l'une de l'autre, elles vont venir se coller l'une à l'autre. Donc, le procédé de diffusion, bah, pour ça, il fonctionne proche de la température de fusion. Donc, ce procédé-là est connu et permet de produire des pièces en métallurgie des poudres. Donc, le premier procédé qui était mis au point autour de la technologie de frittage en indirect, de fabrication indirecte, c'est le metal binder jetting. Donc, il est similaire un peu à la fabrication qu'on retrouve en métallurgie des poudres par fusion laser. Donc, on utilise toujours 1 lit de poudre avec une granulométrie qui est même inférieure à la fusion laser. Mais au lieu de venir
souder les grains de poudre les uns aux autres, la première chose qu'on va faire, c'est venir coller les grains de poudre avec un liant, c'est-à-dire que c'est un liant organique. On va diffuser les grains de colle, des gouttes de colle sur le lit de poudre directement. Donc, c'est inspiré des technologies utilisées en imprimante, donc en impression jet d'encre. Donc, au lieu de déposer de l'encre sur une feuille de papier, on va déposer de la colle sur des grains de poudre. Donc, on va travailler couche par couche. Et cette première opération permet d'obtenir une pièce à verre. Donc, la pièce à verre, vous la voyez en haut à gauche. Et ensuite, on va utiliser le deuxième procédé, qui est le procédé de frittage, où là, on va consolider la pièce par diffusion et on va avoir donc une réduction et une densification de la pièce pour obtenir les propriétés finales. Donc, ce procédé est similaire avec un autre procédé de métallurgie des poudres qui est connu et qui est diffusé. C'est le MIM, c'est le Metal Injection Molding, où pour obtenir une pièce à verre composée de matériaux métalliques et d'un liant, on utilise un moule pour comprimer la pièce et pouvoir former une pièce métallique qui sera ensuite consolidée aussi par frittage. Donc l'intérêt du metal binder jetting, c'est qu'on est capable de faire des pièces MIM, la même qualité qu'une pièce MIM en propriété métallurgique, sauf qu'on ne va pas utiliser de moule. Donc on peut être incompétitif sur des petites séries aussi, car on n'a pas à amortir le coût de l'outillage et on peut faire des variations de pièces et une disponibilité de pièces beaucoup plus rapide. Donc la vue globale du procédé, c'est les matières premières. Donc on va partir de la poudre métallique, issue souvent de poudre MIM. Un liant, qui est souvent une encre, parce que c'est très liquide. On va utiliser des têtes d'impression type Bubble Jet. Donc on va imprimer avec on voit une photo avec la première machine qui a été installée au CETIM en 2017 à Saint-Étienne et qui utilise deux têtes d'impression jet d'encre. Et on va venir parcourir le lit de poudre pour pouvoir déposer le liant directement sur la poudre. Ensuite, on va avoir une étape de curing, c'est-à-dire qu'on va prendre l'ensemble de la box de travail et on va la mettre dans un four pour faire consolider, polymériser le liant. Et ensuite, on va faire une opération de dépoudrage, c'est-à-dire qu'on va venir directement récupérer les pièces dans le lit de poudre, un peu comme le frittage sur un SLS en plastique. Donc là, on obtient une pièce qui est prête à passer au four. Et ensuite, on va passer dans un four hydrogène. On va être en atmosphère réductrice pour éviter les risques d'oxydation, comme un four MIM. Donc c'est exactement un four MIM qu'on a à Saint-Étienne et on produit directement les pièces issues. Donc directement, sans avoir à supprimer les supports, à détacher les pièces, elles sont directement flottantes dans le lit de poudre. Donc l'intérêt de ce procédé, c'est la productivité. Sur des petites et moyennes séries, on peut vraiment empiler les pièces dans la zone de fabrication. On ne travaille pas sur une surface, on travaille vraiment dans un volume. Donc, on peut empiler les pièces au maximum. On met quelques dixièmes de jeu entre les pièces, juste à laisser l'espace pour supprimer la poudre qui n'a pas été liée à de la colle. Donc, on a un post-process qui est réduit, notamment sur des pièces avec des formes en contre-dépouille. On a un état de surface qui est assez bon, hein. On est dans 3 et 11 microns, donc on est toujours inférieur à de la fusion laser, même en downskin. On peut mettre en œuvre des matériaux qui sont peu ou pas soudables, comme toutes les technologies indirectes. Donc on peut travailler sur des carbures, par exemple, ou des aciers avec un fort taux de carbone. Donc des aciers-outils peuvent être processés avec ces technologies-là. Le risque, c'est la déformation, comme tous les procédés de métallurgie des poudres. Lorsqu'on passe en frittage, on perd les caractéristiques mécaniques de la matière. Donc, on peut avoir des effondrements ou des pièces qui se déforment. Donc, le but, c'est de travailler avec les mêmes règles que le MIM. Si besoin, on va générer des supports, non pas pour fabriquer la pièce, mais pour friter la pièce, pour supporter l'effet de la gravité lors du frittage. L'intérêt par rapport au MIM, c'est qu'on n'a pas de coût d'outillage. On n'a pas de contraintes liées à l'injection et on est très flexible sur la forme des pièces. On n'a pas besoin de plan de joint où on peut mettre les mêmes libertés de conception que dans les pièces de fabrication additive 3D. Donc voilà à peu près la situation. On est par rapport au MIM, on est à des niveaux de quantité de pièces qui sont un peu plus faibles. Par contre, on a un coût pièce qui va être beaucoup plus intéressant, notamment dans le cas des petites pièces par rapport à la fusion laser sur le lit de poudre.
Donc voilà quelques réalisations de pièces qui ont été faites qui sont diffusables. On a fait des développements, j'en présenterai un tout à l'heure. Notamment sur tout ce qui est pièces d'aspect, des pièces détecturées, des petites pièces. On reste sur des pièces qui sont inférieures à 150 mm pour des raisons de déformation de pièces lors du frittage. On a des verrous encore à lever pour faire des pièces plus grandes, mais on peut faire des pièces justement avec des texturations, des formes complexes. Il y a une très bonne résolution, c'est de l'ordre de 2 centièmes de millimètre la taille d'impression d'une imprimante jet d'encre. Donc on utilise les mêmes types de têtes, donc on a les mêmes résolutions lors de la production de ces pièces-là. Et aussi on peut être capable de faire des pièces avec des éléments mobiles en laissant des jeux de l'ordre de 2 dixièmes de millimètre. Un exemple qui permet d'illustrer l'intérêt de cette technologie, c'est la production non pas d'une pièce de haute technologie, mais d'une pièce qui sert à verrouiller deux profilés entre eux dans la fixation de quincaillerie. Donc la pièce, vous pourrez la voir tout à l'heure, je l'ai sur moi. Enfin, désolé pour ceux qui sont en webconférence, vous la voyez seulement à l'écran, mais elle fait à peu près 40 mm par 10 mm. Et elle comporte un petit élément mobile avec un excentrique, qui est une pièce imperdable, c'est la pièce qui est en rouge. Et cette pièce-là, ça a été plus pour une quantité de 10 000 pièces, c'était plus économique de la produire directement en fabrication additive que de la fabriquer avec des procédés classiques. Voilà. Et c'est une pièce qui est de l'ordre, qui a un prix inférieur à 4 €. Voilà. Et on espère encore baisser encore les coûts avec les nouvelles machines. Et aussi en utilisant, comme n'importe quel procédé, en optimisant le procédé. Donc l'intérêt, en modifiant un peu le design de la pièce, ça a été d'empiler encore plus de pièces dans la box de fabrication en utilisant des petits embrèvements dans la forme de la pièce. On l'a compactée et du coup on a doublé la capacité de production de la machine en empilant au maximum les pièces. Donc on a réduit le coût de production par 45 que de 45% en redessinant la pièce et en l'adaptant au procédé. Donc là, on a vraiment une pièce de quincaillerie qui est fabriquée en fabrication additive. On n'est plus du tout sur une pièce de haute technologie, on est vraiment sur une pièce de fabrication commune qui peut être adaptée à la quincaillerie, voire le but final de cette technologie, c'est vraiment d'aller vers la production type automobile qui est de la très très grande série. Donc actuellement, voilà où on en est. On a installé une machine en 2017, c'était l'une des premières. On a une box de 2 litres 4. Aujourd'hui, on a des fabricants qui proposent une machine qui va jusqu'à 160 litres de box de fabrication. On a démarré avec une machine qui fait deux têtes, qui avait deux têtes de production, qui produisait 150 cm3 à l'heure. La machine que vous voyez en dessous, c'est la machine de production de desktop métal. Elle est capable de produire jusqu'à 12 litres à l'heure. Voilà. Donc là, elle est à vitesse réelle. C'est une machine avec un double système. Donc à chaque passage, elle dépose une couche et elle dépose l'encre en même temps. Donc en une seconde, elle est capable de couvrir une surface de 30 cm par 30 cm. Donc en quelques heures, elle complète. En 2 heures, elle est capable de faire une box. Donc ces machines-là, elles sont vraiment intéressantes puisqu'on n'a pas de limitation technologique. On ne travaille pas avec des lasers, on ne travaille pas dans une atmosphère inertée. Donc on n'a pas de limitation technologique. On peut très bien imaginer des machines avec des rampes d'impression qui peuvent aller jusqu'à 3 mètres de large. Les machines sont développées pour ça. Donc pour cela, on a investi dans différentes technologies à Saint-Étienne et à Cluses. Donc on a deux types de machines. On a des machines digital métal et des machines desktop métal, dont une en exclusivité depuis septembre. Où là aussi, l'intérêt, c'est le coût des machines. On a des machines qui commencent à être disponibles autour de 250 000 euros et qui ont des productivités de 700 cm3 à l'heure qui permettent à des PME ou des PMI d'investir dans les moyens de fabrication avec la capacité de produire leurs propres pièces avec des coûts beaucoup plus faibles qu'auparavant. L'autre intérêt, c'est que bientôt ces machines-là vont être avec des poudres ou des liants qui sont non propriétaires pour encore baisser les coûts. Dans les premières machines de fabrication additive, le coût principal était l'amortissement du matériel. Là, avec ces machines et leur niveau de productivité, le coût matière devient prépondérant sur le coût pièce.
ce qui se rapproche des procédés classiques où la machine elle a des coûts négligeables vis-à-vis des coûts matières. Donc, une autre technologie qu'on est en train de tester au CETIM, qui s'adresse plus à la PME ou du prototypage, c'est la technologie Metal Fuse Deposition Modeling. Donc là, on va utiliser une technologie qui est intéressante parce que elle permet d'encapsuler la poudre directement dans un liant plastique, une matière plastique. Et du coup, on n'a pas de problème de HSE, on n'a pas de poudre à l'état pulvérulent. Donc c'est quelque chose qui au niveau HSE, est acceptable parce qu'on peut mettre la machine dans n'importe quel environnement, on n'est pas obligé de protéger la machine ni de travailler avec des éléments des EPI très lourds pour mettre en œuvre cette machine. Donc on va partir d'une machine qui est dérivée d'une machine d'impression fil. Donc au lieu d'imprimer un fil en plastique et en matériaux polymères purs, en fait on va avoir 30% de polymère et 70% de poudre métallique à l'intérieur de la pièce. Et on va pouvoir imprimer de la même manière que n'importe quelle imprimante à fil. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu la pièce à verre, comme tout à l'heure en metal binder jetting, on va avoir la deuxième étape qui va permettre de supprimer la matière plastique autour et de friter la pièce pour obtenir les propriétés métallurgiques et les propriétés mécaniques. Donc l'exemple, c'est la suite Desktop Metal qui est installée sur Cluses. On va voir au premier plan la machine d'impression. Vous voyez, c'est une machine trois axes qu'on voit souvent dans les imprimantes à fil. La deuxième étape, c'est le déliantage. Donc on a un déliantage catalytique comme dans le procédé MIM. C'est-à-dire on va venir dégrader le polymère avant de friter, où là on va finir par sublimer la matière organique et friter la pièce métallique pour obtenir ses propriétés finales. Donc la particularité de cette machine, c'est qu'elle a une buse pour déposer la matière métallique et une buse pour déposer un composant qu'on appelle un système anti-frittage. Donc c'est la partie un peu blanche qui est de la céramique pour éviter qu'on ait diffusion entre la matière de la pièce et la matière du support. Parce qu'on voit qu'on construit le support afin de limiter les déformations lors du frittage. Et on vient séparer du support manuellement la pièce. Donc l'intérêt de ces technologies, c'est que ça permet de faire des pièces unitaires assez rapidement et faire des formes assez complexes. On peut voir différents types de pièces. Donc, ça va aussi bien de la pièce de maintenance ou avec des opérations simples de reprise en usinage avec de tournage fraisage, on peut obtenir des pièces de réparation, des pièces de maintenance, voire des pièces d'outillage. On voit une pièce une filière sur la première pièce à gauche. Et on peut mettre aussi en œuvre des pièces type du cuivre, des choses comme ça pour faire des inducteurs, des pièces de construction, mécanique générale. Donc voilà un exemple, hein, c'est une pièce de rechange sur une tête de forage. Donc on peut très bien imaginer ces machines-là dans un local de maintenance, sur une plateforme offshore qui permet de réparer rapidement les moyens en mettant en œuvre cette technologie. Donc on arrive quand même à des pièces qui peuvent être conséquentes. Hein. On arrive alors, celle-ci, elle fait l'ordre de 3 kg de matière. Ou mettre en œuvre aussi pour tout ce qui est pièce de process. On voit par exemple des préhenseurs pour des pinces de robotique et on arrive à avoir des coûts de pièces qui sont de l'ordre de 30 euros, donc qui sont largement compétitifs par rapport à des technologies classiques type usinage dans la masse. Et avec une mise en œuvre qui est très facile, parce qu'on avait vous avez une interface web et vous suivez toute la production de votre pièce et la conception même de votre pièce sur une interface web. Donc l'intérêt de cette technologie, c'est qu'on est capable de faire des pièces complexes avec une mise en œuvre qui est vraiment simplifiée. C'est vraiment plug and play. On a une problématique qui est assez réduite, HSE, au niveau problématique qui est HSE assez réduite. On a les barreaux qui ressemblent à des sticks de matière, comme des bâtonnets de colle. On a un coût faible d'investissement. Une machine comme celle-là, la suite complète, c'est de l'ordre de 250 000 euros. Les domaines
d'applications sont tout ce qui est prototypage fonctionnel, les outillages, des pièces de maintenance, des pièces de style. On peut faire avec des petites buses de quelques dixièmes de millimètres, on arrive à faire des bijoux. Donc, d'autres intérêts de customisation unitaire. Les points faibles, on a des offres matériaux encore assez réduites, hein, principalement d'inox. On n'a pas encore beaucoup de matériaux, mais c'est en train de se mettre en place doucement. On a des états de surface qui sont pas forcés, qui sont moins bons qu'en metal binder jetting parce qu'on a justement les effets de cordon les uns sur les autres. Et on est obligé de produire des pièces unitaires. Donc on a un remplissage par plateau, on n'a pas un remplissage comme en metal binder jetting dans un volume. La maturité est en phase de développement parce que pour l'instant on a deux acteurs principaux hein, sur le marché qui vendent des suites génériques, la Desktop Metal et puis je l'ai vu tout à l'heure. Markforged, qui ont été les premiers à commercialiser ces technologies. Mais il y a de plus en plus d'outsiders et les technologies qui vont se diffuser pour développer ces technologies. Il y a d'autres technologies que je vais vous présenter assez rapidement parce que c'est un peu de la veille technologique. On n'a pas eu encore trop de retours, mais elles sont assez prometteuses, notamment pour la production de pièces de petite taille, mais à haute résolution. Donc, c'est toujours dérivé des technologies de mise en forme de polymères, en fait. Sauf que à chaque fois, le polymère, eh ben, il est chargé avec des poudres métalliques pour fabriquer la pièce. Donc, par exemple, les technologies SLA, enfin, les technologies lithographiques, c'est soit avec un laser, on va faire polymériser une résine chargée de matériaux métalliques, soit avec une insolation directe avec une image UV. Donc, il y a il y a trois fournisseurs actuellement et on est capable de faire des petites pièces d'assez bonne résolution, mais qui sont assez petites. Donc, pour tout ce qui est pièces de micromécanique, on voit la résolution des pièces qu'on arrive à obtenir, c'est assez bluffant. Donc, toutes ces technologies-là, pour tout ce qui est micromécanique, pièces de bijouterie, on arrive à avoir des coups-pièces sans outillage. Des coûts intéressants sans fabriquer forcément des très grandes séries. Une autre technologie qui est en train de se développer, hein, c'est du matériel jetting. Là, c'est vraiment de l'impression de nanoparticules, donc qui sont toujours encapsulées, donc pas de risque de HSE là aussi. Et on va directement imprimer la pièce à partir de micro-gouttelettes. Et donc là, on va obtenir pareil une pièce qui va être frittée dans une deuxième vape. Et là, on a encore des résolutions qui sont assez faibles et on permet, par exemple, de faire des pièces avec des matériaux qui sont difficilement frittables parce qu'on va permettre de descendre avec des molécules encore plus petites et faciliter le frittage, notamment tout ce qui est carbure. On va pouvoir descendre avec des taux de carbure de tungstène cobalt avec des taux inférieurs à 8% de cobalt. Donc, on arrive à avoir des carbures de très, très bonne facture avec ces technologies-là. Et une des dernières technologies qui a été présentée l'année dernière à Formnext, qui paraît assez prometteuse pour de la production en grande série. Donc, c'est une machine qui va pas fabriquer directement, qui va pas mettre en forme directement le mélange polymère poudre métallique. C'est qu'on va fabriquer le moule et ensuite on va venir par sérigraphie remplir les empreintes du moule avec une pâte. Donc cette pâte va être composée de poudre métallique, donc par sérigraphie. Et ensuite, on va faire polymériser et ensuite, on va dissoudre le contour et ensuite récupérer la pièce pour ensuite la friter. Donc ces technologies, elles fonctionnent sur un espèce de grand carrousel où on a différentes étapes. On construit le moule, on remplit le moule couche par couche. Et ensuite, on détruit le moule pour récupérer la pièce et on frite la pièce. Donc c'est pareil, c'est dédié à de la production en grande série, mais ça permet de produire des pièces assez intéressantes et en grande quantité. Donc toutes ces technologies indirectes, ça a beaucoup de points forts, des géométries complexes, voire avec une très bonne résolution et des bons états de surface. Le gros intérêt, c'est qu'on a très peu de reprises derrière pour obtenir une pièce fonctionnelle, avec des bons états de surface.
On a des coûts faibles par rapport à la fraction additive métallique, hein, parce que les machines en fait sont assez simples, les machines de mise en forme. Ensuite, on utilise des fours de traditionnels pour tout ce qui est frittage, donc c'est issu de la métallurgie des poudres et c'est assez mature. On a des productivités assez élevées, on peut le voir, on peut arriver à des dizaines de litres par heure. Ça s'applique à tous les secteurs d'activité, donc ça va aussi bien du grand public à la défense, en passant par le médical. On peut toucher tous les secteurs. On a une offre matériaux qui est encore réduite, parce qu'il y a 5 ans, il n'y avait pas de technologie de ce type-là, mais c'est en train d'accélérer fortement. Des stops métal, par exemple, viennent de toucher 2,5 millions de l'armée américaine pour développer tout ce qui est tungstène. Donc on voit très bien ce qu'ils veulent faire avec. Il va falloir maîtriser les déformations, même si on a des règles empiriques sur tout ce qui est déformation liée au frittage dans les métallurgies des poudres, mais on a des solutions qui commencent à arriver. On a de la simulation avec des suites logicielles qui vont permettre de maîtriser, d'anticiper les déformations. C'est-à-dire qu'on va faire une fausse pièce pour qu'en la suite, après frittage, on ait une pièce bonne. Mais on est limité à la taille des pièces justement liées aux déformations, à peu près 150 mm. Mais ça représente quand même une grosse quantité des pièces produites en mécanique. Et la maturité, bah, c'est en phase de développement, parce qu'on a de plus en plus d'acteurs importants qui viennent sur ce marché-là, notamment Binder Jetting, on a Hewlett-Packard, on a General Electric qui ont annoncé des machines qui sont dédiées vraiment à de la production de masse, vraiment automobile. Notamment Hewlett-Packard travaille avec GKN et Volkswagen pour produire des pièces. Ça aussi, ça va engendrer une baisse des coûts conséquente. Dès qu'on va avoir de l'automobile et de la grande série qui va s'intéresser à cette technologie-là, on a des productions de matières qui vont être croissantes et on va avoir des économies d'échelle. Donc on croit fortement sur cette nouvelle technologie indirecte parce qu'elles vont permettre de répondre aux enjeux coûts et permettre de démocratiser fortement la fabrication additive. C'est pour ça que Saint-Étienne, bah, Écluse, on a deux plateformes dédiées uniquement à ces procédés-là. Voilà. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, merci Maxime. On a une première question. Ah, attendez, on va vous donner le micro. Non, parce que sinon on ne va pas vous entendre sur le web, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. C'est concernant la précision de ces brutes qu'on obtient avec les différentes technologies. On parle beaucoup d'encombrement, de matériaux, mais on ne parle pas de la précision obtenue. On peut comparer ça à une précision de fonderie cire perdue en aluminium, par exemple. Donc là, pareil, on est en train de travailler justement sur la capacité du procédé. Et ce qu'on vise, c'est des capacités automobiles de l'ordre de CMK de 1,33. Et actuellement, on est à l'ordre du dixième de millimètre. Voilà, avec une unité de 2 dixièmes de millimètre, on est arrivé à capabiliser des pièces. Merci. Merci. Je crois qu'on a des questions aussi sur côté web conférence. Et si je viens pas avec le micro, ça va pas marcher. Oui, du coup, deux questions web, effectivement. La première, comment est fait le choix du liant par rapport à la poudre? Et la deuxième, en vie série ou en production série, comment sont gérées les étapes de dépoudrage et de transfert de pièces, VS la fragilité des pièces avant frittage? Alors, les choix de liant sont liés à la compatibilité du matériau. Donc, il y a plusieurs types de liant, hein, des bases aqueuses, il y a des bases silicone et encore d'autres polymères. Donc, ça, c'est la formulation directement aussi liée à la technologie de l'imprimante. Hein, si on a des imprimantes avec des têtes à bubble jet ou à piézoélectrique, on ne va pas passer le même type de liant lié à sa viscosité. Et ensuite, tout ce qui est dépoudrage et manipulation des pièces. Les pièces ont quand même une résistance mécanique qui est de l'ordre de quelques dizaines de mégapascales. Donc c'est à peu près la résistance du chocolat pour illustrer facilement. Donc on arrive quand même à manipuler du chocolat. Et après, on travaille aussi sur ces goulots d'édranglement qui peuvent être le dépoudrage et à mettre au point des procédés de dépoudrage qui soient plus rapides et qui soient surtout automatisés. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en salle? Je n'en vois pas. Si, il y en a une. Merci. Est-ce qu'après le frittage, on est obligé de refaire un traitement thermique derrière Alors, pour le meilleur voilà. À la fin du frittage, on arrive technologie? à obtenir des densités qui sont de l'ordre de 95 à 98% de densité. Si on veut vraiment obtenir des caractéristiques métallurgiques supérieures à des normes de métallurgie des poudres. Un des avantages de cette technologie, c'est qu'on a des propriétés quand même qui sont isotropes, parce qu'on a des pièces qui sont conformes à des normes ASTM,
c'est des pièces fritées. On peut faire de la compaction isostatique à chaud ou même des traitements thermiques pour améliorer les propriétés mécaniques des pièces. Merci. Mais ce n'est pas obligatoire. Merci, merci pour cette présentation. Je vous propose d'accueillir maintenant Stéphane Guérin, qui est ingénieur procédé de fabrication et aux finitions. Et il va vous parler des nouvelles solutions de parachèvement de surface sur des pièces issues de fabrication additive. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je travaille donc sur l'activité bavurage, finition et texturation des surfaces sur Saint-Étienne. Et donc, je vous propose de voir maintenant, pour terminer cette première session de la matinée, les aspects finition ou parachèvement des pièces qu'on a pu voir en fabrication additive, quels que soient les matériaux d'ailleurs. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, le CETIM donc vient de lancer un projet structurant sur l'activité justement finition qui va regrouper différentes axes et différentes thématiques en termes des bavurages et de finition, puisque c'est quand même intimement lié au niveau des pièces de mécanique. Une partie qui est plutôt centralisée sur tout ce qui est veille, caractérisation des technologies. Un axe qui est plutôt ciblé sur et bavurage et finition adapté sur un centre d'usinage, en parallèle à ce qu'on peut faire aussi avec un robot des bavurages et du polissage. Des procédés plus spécifiques, ou ce qu'on appelle procédés plutôt innovants, donc des évolutions de technologies comme la tribofinition, comme l'électropolissage par exemple. Et puis une thématique sur ce qui est texturation de surface, notamment avec une technologie comme le POCM, donc l'usinage électrochimique de précision. Donc dans ces thématiques, on va retrouver celle qui nous intéresse aujourd'hui, la reprise des pièces donc issues de fabrication additive, dans lequel on va pouvoir utiliser certaines de ces procédés, voire même une combinaison de ces procédés. Donc avec un objectif, c'est de réduire les coûts et les délais et surtout faire pallier à la difficulté et au temps que nécessitent ces opérations de finition qui sont encore souvent faites manuellement ou avec des procédés assez classiques, comme du sablage par exemple. Donc je vous propose de définir un petit peu la présentation en plusieurs points, de revoir un petit peu les enjeux. Les besoins que va générer la fabrication additive, puisqu'il a été présenté un certain nombre de solutions, notamment en binder jetting, et ça va amener en fonction des technologies différents besoins qu'il va falloir essayer de faire face en fonction des technologies qui sont les mieux à même de répondre, par exemple, à l'enlèvement de supports si on a une technologie qui génère des supports en fabrication additive. Donc j'ai retenu pour cette matinée 5 procédés, qui ne sont pas tous forcément connus. Il y en a bien d'autres. Hein. C'est aujourd'hui au moins une bonne douzaine de procédés qui peuvent s'utiliser. Alors, c'est une demande qui est croissante, notamment pas que sur les pièces de fabrication additive, mais également sur les pièces de mécanique et d'autres procédés, quels que soient les secteurs, puisque ça touche très largement les secteurs d'activité sur les bavurages et la finition. Mais si on regarde notamment la fabrication, on a souvent des solutions type sablage, bol vibrant, usinage qui vont être utilisées pour réaliser donc la finition des différentes opérations sur la pièce, avec des exigences qui vont être différentes, bien évidemment, en fonction de l'application et du secteur d'activité. Donc, on retrouve souvent une problématique ou des besoins qui sont assez récurrents. On l'a vu au fil des exemples sur les pièces, on n'a pas toujours des états de surface qui sont homogènes, parfois assez grossiers, ça dépend aussi de la technologie qui va être utilisée pour les fabriquer. Donc, des états de surface plus ou moins exigeants, à partir d'une base plus ou moins bonne, et un travail parfois qui peut être long et fastidieux, et surtout avec des coûts importants, puisque... on peut arriver à atteindre 30 à 40% des coûts de parachèvement sur une pièce fabriquée. Donc, ce n'est pas négligeable. Et surtout qu'on est souvent sur de la petite à moyenne série.
Donc, avoir des systèmes de finition qui soient adaptés en termes de coûts également. Alors, on va retrouver un certain nombre d'opérations en fonction de la technologie. Dans certains cas, il va falloir dépoudrer les pièces, il va falloir enlever les supports, reprendre certaines surfaces, nettoyer les pièces. Et donc, ce que je disais, effectivement, on a donc des coûts qui sont importants et donc une étape qui est importante à prendre en compte, ce qui n'était pas forcément le cas à la conception sur les pièces et au final, des grosses difficultés, soit pour finir les pièces avec des formes qui sont difficilement accessibles si on n'y a pas réfléchi au préalable et si elles doivent être reprises. Donc, il y a un certain nombre de contraintes qui sont amenées, qui sont différentes. Soit je peux avoir des liaisons plateaux, donc pièces soudées qu'il va falloir découper dans un premier temps, des supports de fabrication, des états de surface, des pièces qui vont être déformées. Donc parfois, si on a des codes fonctionnels sur les pièces, il va falloir pouvoir reprendre ces pièces. Parfois aussi, souvent, peu de rigidité, donc des moyens de serrage ou de maintien spécifique ou de préhension spécifique. Et puis des formes plus ou moins complexes avec des structures parfois organiques, textures qu'il va falloir arriver à traiter sans forcément polluer également la pièce en fonction des technologies de finition qu'on va appliquer. Donc on voit effectivement qu'en fonction des besoins, on va avoir des réponses qui vont devoir être différentes et adapter donc ces post-traitements. Donc il y a un certain nombre de technologies, donc le CETIM en investit aussi pas mal. On va voir donc le sablage par pression, du tribosablage, donc une combinaison de la tribofinition et du sablage, de l'électrochimique, de l'électrolytique et puis de la tribofinition force centrifuge. Donc si on regarde le premier procédé qui est relativement bien connu, puisque utilisé depuis pas mal de temps donc sur la fabrication additive, on va donc par l'intermédiaire d'un jet projeter un média. Donc il y a différents types de médias en fonction du matériau sur lequel on va générer donc l'opération et on va piloter alors soit assez basiquement un pistolet via une buse dans une cabine ou semi-automatisé voire un robot qui va venir piloter la buse sur l'ensemble de la pièce. Alors, il y a un certain nombre de paramètres sur lesquels on pourra jouer avec le sablage. C'est déjà le média, sa forme, sa dureté. Je peux avoir des céramiques, des polyamides. Le réglage de la distance, les pressions que je vais exercer sur la surface ou sur la pièce. Et puis, également les inclinaisons de cette buse avec un effet différent sur la pièce. Donc, si on regarde un cas d'application, ici sur un acier inoxydable type 17.4 pH, donc issu de SLM. Donc on a globalement sur cet enrouleur de câble des RA variables en fonction de la construction entre 15 et 20 microns par exemple sur cette pièce-là, voire même des zones bien plus importantes. Et donc là on est sur une mise en œuvre donc de corindon avec des paramètres assez standards, avec deux étapes de sablage. Et globalement, on arrive avec deux étapes de 20 minutes de média à un temps d'une quarantaine de minutes. Et ce qui est intéressant avec le sablage sur beaucoup de pièces de fabrication additive, on arrive assez rapidement à réduire ou à baisser l'état de surface de l'ordre de 70 à 80% rien qu'avec cette opération qui peut être intéressante et assez rapide. Donc là, on passe de 20 à 6. Voire 4 en augmentant, en doublant le temps de sablage. Donc là aussi, après, ça dépend des contraintes qu'on peut avoir sur les pièces. Donc, comme je disais, cette solution, elle est intéressante puisqu'on peut travailler sur des pièces complexes, de formes complexes, sans avoir des outillages très spécifiques. Une homogénéisation, si on travaille en mode semi-automatique ou automatique, c'est vrai que si on travaille manuellement, on a une répétabilité liée à l'opérateur. Et on peut avoir donc une solution adaptée à beaucoup de matériaux et assez simple à mettre en œuvre par rapport à d'autres technologies, comme on pourra le voir. Et puis, c'est économiquement intéressant. Bon, bien évidemment, il y a un certain nombre de limitations qu'on peut retrouver. Sur la géométrie de pièces, si on a des canaux ou des formes très refermées, le pistolet et le média n'atteindra pas la surface. Et la répétabilité à voir si, en fonction de la solution que l'on va utiliser.
Alors, un autre procédé, peut-être moins connu, ou du moins on peut utiliser une opération de sablage, comme on vient de le voir, et ensuite une opération de tribofinition. Là, l'idée, c'est d'éviter la manipulation des pièces et le gain de temps, voire de nettoyage dans certains cas, puisqu'on va tenter de faire l'opération sur une même machine. On va combiner donc une projection de médias assez similaire à ce qu'on vient de voir dans un vibrateur circulaire qui donc lui va vibrer avec des médias, donc là des médias un petit peu spécifiques plastiques qui vont en fait se pré-imprégner en partie dans une zone basse sur la machine avec les médias Corindon et qui vont venir en fait avec l'ensemble travailler sur la pièce et venir un petit peu sucrer l'ensemble de la pièce et donc venir améliorer les états de surface. Donc un côté le sablage qui va accélérer l'opération d'abaissement du RA et la tribofinition qui va en même temps adoucir et venir apporter l'aspect brillant par rapport à l'aspect mat que peut apporter le sablage par exemple. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une capacité différente en fonction des tailles de pièces sur ce type de machine, hein, de 50 à plus de 500 litres. Donc ça ouvre des voies assez intéressantes et suffisantes par rapport aux tailles de pièces qui sont proposées aujourd'hui. Donc là aussi, on a une gamme de médias qui est assez variable, tant côté sablage que côté tribofinition. Donc à adapter en fonction du matériau qu'on va avoir à traiter. Donc là, on voit un petit peu l'illustration des médias qui sont assez conséquents et qui sont plastiques et qui vont se déformer et venir donc s'appliquer sur la pièce. Donc si on regarde le cas qui a été traité sur un support de vérin, donc là en aluminium AS7 G6, donc on a une rugosité après SLM là aussi autour de 15 à 20 microns. Donc avec utilisation de médias Corindon et de médias plastiques côté tribofinition, on arrive à, après une heure de passage sur la machine à un RA environ 4 à 5, donc divisé de 3 à 4. Donc comme je disais, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi donc travailler pièces libres, donc sans outillage spécifique, avec une zone de passage devant les buses. On peut arriver à des rugosités de l'ordre de 2 microns, voire moins, sur les temps de cycle jusqu'à une heure qui reste intéressante, 2 à 3 fois plus rapide aussi qu'une tribofinition classique, le fait de combiner les deux opérations, et ça dans une seule et même machine, donc réduction des manipulations, et on peut traiter beaucoup de familles de matériaux. Bon, là aussi, c'est un procédé qui va être limité à des zones qui soient accessibles via les médias, et il aura quand même tendance à rayonner les pièces, plus on va laisser les pièces à travailler dans cet environnement-là. Alors, en fonction aussi des procédés, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va travailler, on cherche souvent à travailler sur la micro-rugosité, donc les pics qui sont laissés via le dépôt de poudre, ou la macro-rugosité, donc qui sont des zones plus importantes. Donc, en fonction des procédés, on n'agira pas forcément sur les deux. Donc, par exemple, avec le sablage, on va plutôt être sur la micro-rugosité. Donc, on va écréter les pics, mais on va laisser tout ce qui est creux, donc l'ondulation qu'on pourra avoir sur la pièce. Avec la tribofinition, on va aussi travailler sur la micro-rugosité. Donc, la combinaison des deux permettra d'avoir un état de surface qui sera travaillé sur les deux angles. Donc là, on passe sur des procédés, on était plutôt sur des procédés mécaniques et abrasifs. On va maintenant passer sur des procédés plutôt électrochimiques ou électrolytiques. Et donc là, c'est une solution qui est commercialisée par un fabricant autrichien qui là propose une solution via un procédé en fait électrochimique pulsé et une combinaison avec un flux de particules qui va s'associer à un élément chimique. Donc en fait, on va avoir globalement jusqu'à 3 étapes dans le procédé. Donc, une première étape qui va permettre d'abaisser fortement le RA, si on a des cas où c'est important, et d'enlever également les supports avec une conception anticipée sur la surépaisseur à laisser par rapport la matière qui va être enlevée. Pardon. Une deuxième étape, donc dans un second bain, où on va réduire à nouveau le RA aux alentours de 2 microns,
Et si on a besoin effectivement d'avoir un RA plus fin, voire une brillance, on sera dans un troisième bain pour abaisser encore cette rugosité. Et ensuite, on aura un bas de passivation et de nettoyage lié au procédé électrochimique. Donc, on est sur une cellule donc automatique, fermée avec différents bains, avec différentes catégories aussi de taille de bain, de machine par rapport aux tailles des pièces. Donc, une petite illustration du fonctionnement ou du passage, du moins, des pièces d'un bain à l'autre, donc via un système robotisé, où on voit un petit peu la modélisation de l'enlèvement des supports et de la matière au fil de passage dans les bains. Donc, si on regarde l'exemple que l'on a pu traiter, donc sur une pièce à structure tubulaire en TA6V, donc issue de SLM, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir voir l'influence que peut avoir le procédé sur des canaux internes ou des formes difficiles d'accès. Donc là aussi, avec des rugosités oscillant entre 10 et 15, donc sur une machine de la gamme médium qui est proposée. Donc on arrive avec un temps aux alentours de 2 heures, donc comme on peut l'apercevoir sur la pièce en haut à gauche, sur les supports qui ont été nécessaires à la fabrication de la pièce, et donc sur la pièce en bas, la suppression de ces supports dans l'opération, et également le polissage du canal intérieur de 8 sur toute sa longueur. Et donc, on abaisse là, dans ce cas-là, la rugosité sur un facteur 3 à 4 également. Donc, ce qui est intéressant avec cette solution, c'est qu'on est sur des formes plus difficiles d'accès, voire même des canaux, même une suppression des supports de fabrication directement sur les pièces, où il y a quand même assez peu de procédés qui permettent de faire cette opération-là, sur des temps qui restent assez intéressants. Et une réduction de manipulation des pièces et une solution assez automatique puisqu'on passe des différents bains jusqu'au nettoyage et au séchage de la pièce. En termes de matériaux, c'est assez large. On peut faire traiter les titanes, les bases nickel, les aciers inoxydables, voire l'aluminium. Par contre, effectivement, c'est un procédé là qui est un peu plus spécifique en fonction de la géométrie de la pièce et du matériau lié au procédé électrochimique. On a un enlèvement de matière qui n'est pas négligeable, mais effectivement, à partir du moment où on a des rugosités qui sont importantes, bah pour les améliorer, il faut enlever de la matière. Donc, il faut prendre en compte à la conception de la pièce, puisqu'on peut enlever plusieurs dixièmes. Si on a des RA de 50, bah forcément, on va enlever au moins 4-5 dixièmes. Et puis, si on a de l'unitaire, effectivement, c'est un procédé qui ne va pas être adapté compte tenu de la mise en œuvre. Donc, il faut quand même avoir un peu de volume. Et le revers, c'est que c'est un coût machine qui est important, puisque c'est une machine qui est dédiée uniquement à la reprise des pièces de fabrication additive, et on a des coûts qui sont élevés. Donc la société propose aussi sur des petits volumes de faire la sous-traitance de pièces, le cas échéant. Alors, une autre solution, également commercialisée, par un fabricant espagnol, donc GPA Innova. C'est une évolution du polissage électrolytique. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on va avoir une combinaison du polissage électrolytique, et de l'abrasion, même si elle reste faible ici. Et en fait, on va venir substituer l'électrolyte liquide classique utilisé en bain par un électrolyte, entre guillemets, solide, puisqu'en fait, on va avoir des petites billes qui vont dans la cuve venir brasser et venir faire conduction entre l'électrode, donc qui va être la cuve, et la cathode, donc qui va être véhiculée par ces billes, qui sont poreuses et qui vont s'imprégner en fait de s'humidifier de l'acide et qui vont donc provoquer la dissolution sur la pièce. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va effectivement varier en fonction de la tension, de la vitesse de rotation, le taux d'humidité et la durée de traitement sur la pièce, je dirais assez classiquement sur des procédés électrolytiques.
Donc là, on est sur un acier standard type 316L. Donc là, on est issu de Melter Bennett Jetting. On a des rugosités, donc impressions qui sont plus faibles, comme le disait Maxime tout à l'heure, entre 6 et 10 en fonction des zones. Sur une machine de la gamme moyenne, donc une cuve donc de 300 par 250, et donc différents paramètres. Et globalement, on est sur un temps d'une centaine de minutes pour abaisser donc la rugosité de 6-10 à 0,6 et un RZ assez faible. Alors, pour illustrer un petit peu la technologie au fil du temps, c'est une illustration donc de cette pièce où on voit un petit peu les états de surface générés. Je n'ai peut-être pas démarré. Donc, on va mettre, les pièces vont être fixées sur un support. Donc là, on n'est pas en pièce, c'est le média donc, qui va tourner avec un mouvement elliptique. Pardon. Donc là, on va gérer aussi la vitesse et le type de mouvement. Et on va donc déplacer les pièces à l'intérieur de ces billes. Donc là, on voit un petit peu l'opération qui se déroule au fil du temps. Donc on peut voir que ce procédé, il a une imitation, il va travailler beaucoup sur la micro-rugosité et sur la macro un peu moins, parce qu'on le voit, on va révéler aussi les traces donc d'ondulation qu'on voit apparaître en fonction du brut. Donc ce qu'on n'aura pas sur une pièce usinée, par exemple. Donc c'est une solution qui est intéressante parce qu'elle permet de traiter des formes malgré tout assez complexes et assez difficiles d'accès, même si on n'ira pas polir les canaux, des canaux par exemple. On va aussi apporter de la brillance à la pièce et avoir assez peu d'impact sur la géométrie par rapport à d'autres procédés qui sont plus agressifs et qui vont arrondir pas mal les arêtes par exemple. Et on a des temps de cycle qui sont aussi dépendants de l'état de surface de base. Donc c'est vrai que c'est une technologie comme d'autres aussi, est intéressante si on a en préalable une préparation de la surface pour abaisser le RA et pas démarrer sur un RA de 20 ou 30 par exemple, puisqu'on va avoir un temps qui va être long et on ne va pas utiliser la technologie dans son domaine d'application plutôt réservé à la finition, voire à la super finition. En termes de gamme de matériaux, elle est relativement large. On a une électrolyte qui sera plus spécifique avec un acide pour les alliages de titane avec les billes. Par contre, comme je disais, on va générer, on peut révéler sur certaines pièces de fabrication additive d'ondulation. Il ne faut pas avoir un RA de départ trop élevé si on a des temps qui sont très longs. Et le pendant, c'est que la durée de vie des billes est limitée. C'est variable en fonction du matériau, mais globalement, c'est à peu près 200 heures. Donc, si on laisse les pièces une dizaine à 20 heures, on voit bien que ça va être long et ça va être coûteux puisque c'est un consommable qui a un coût non négligeable. Donc, il faut l'utiliser à sa juste valeur et son juste domaine. Et donc, le dernier procédé que je voulais vous présenter ce matin, c'est la tribofinition par force centrifuge. Donc, effectivement, tribofinition, c'est quelque chose d'assez large, puisque on voit beaucoup de mouvements, de cinématiques différentes, au niveau notamment du mouvement des pièces, puisque ça, c'est un des paramètres importants dans l'attaque, l'abrasion mécanique. On a aussi donc le média, sa vitesse et la pression. Et là, en l'occurrence, ce qui va être intéressant avec le procédé force centrifuge, c'est qu'on va jouer sur donc les déplacements des pièces avec un certain mouvement dans les cylindres, et on va avoir une pression de contact qui va être plus importante que la tribofinition classique où on va venir avec des médias plus importants sur la pièce. Donc là, on va jouer sur l'effet de vitesse et des médias plus petits pour avoir un impact plus important sur la pièce. Donc là aussi, on a différentes gammes et de machines en fonction de la taille des pièces et donc des pots dans lesquels on va pouvoir mettre les pièces. On va aussi pouvoir travailler avec différents médias. Donc céramique, alumine, polyamide, en voie humide. Et aussi, on peut travailler en voie sèche avec des polyamides, voire des végétaux, pour apporter, on va le voir, de la brillance, par exemple, et un état de surface beaucoup plus fin sur la pièce. Donc là, une petite illustration du mouvement de la machine. Il peut y avoir différents types de mouvements. Là, on voit un petit peu les pots dans lesquels on va pouvoir mettre là ou les pièces. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut traiter aussi plusieurs pièces en même temps. Donc, si on a des temps de cycle de l'ordre de 2 ou 3 heures, ramener à la pièce, on va le diviser d'autant.
Et donc là, on a un aperçu du type de mouvement qu'on va apporter à la pièce, donc dans le pot. Donc ici, une pièce structure titane. Donc on a des rugosités assez élevées, RZRT également. Donc on va travailler avec cette même technologie sur deux voies. Une première étape pour être assez agressif avec le média, donc plutôt typé céramique en voie sèche. Et une deuxième étape en voie humide, pardon, une deuxième étape en voie sèche avec des types coques de noix plus des pâtes abrasives qu'on peut rajouter en faible quantité pour apporter donc le fini de la surface. Donc par exemple, sur ce cas-là, on est à une première étape d'une heure et demie et donc une finition sur à peu près une heure, et on peut traiter jusqu'à quatre pièces par cycle. Donc on est à peu près sur une heure et quart de temps de cycle à la pièce. Et on va passer donc du RA de 40, enfin entre 25 et 50, à un RA inférieur à 0,5 et une homogénéisation de l'état de surface sur l'ensemble de la pièce. Un autre exemple pour montrer un petit peu la combinaison du procédé avec le procédé précédent électropolissage en voie sèche. Donc là, sur une pièce aussi de Metteur Médian Jetting, donc un petit GECO. Donc, on va faire une première opération avec la tribofonisation force centrifuge et donc la finition ou la super finition avec le brillantage, le procédé précédent. Et donc là, on va arriver à un RA inférieur à 0,3. On va supprimer la ligne d'impression, cette fois-ci avec le procédé d'électropolissage, l'ondulation, et avoir donc joué sur la macro et la micro-rugosité pour avoir donc l'état de surface souhaité. Donc, ce qui est intéressant avec la tribofinition forte centrifuge haute vitesse, c'est la polyvalence que peut avoir le procédé en termes de typologie de matériaux par rapport aux médias qui sont disponibles. Le fait de pouvoir travailler en voie sèche dans certains cas, pour éviter donc les nettoyages, les lavages des pièces. Et on a un procédé qui est stable, répétitif, assez simple et rapide de mise en œuvre. Et on peut aussi polir, arriver à du polissage presque miroir dans certains cas, sur des pièces simultanément dans la même machine. Le pendant, c'est que là aussi, sur des formes d'accès difficiles, on n'aura pas d'impact fort de la technologie, et on peut aussi être amené à rayonner les arêtes sur les pièces. Donc en synthèse, ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des solutions qui sont plus ou moins émergentes ou plus ou moins disponibles sur le marché pour répondre donc à ces besoins ou ces problématiques de reprise des pièces. Ce qu'on peut synthétiser également, c'est qu'on sera très souvent sur une combinaison de procédés, pas forcément un procédé qui va tout faire, avec une préparation souvent soit en mécanique avec du sablage ou du chimique, dont j'ai pas parlé ce matin, et une deuxième étape où on sera sur la finition à partir d'un RA plus bas pour arriver dans des coûts et des états de surface qui sont ceux très souvent que souhaite l'application. Donc on peut arriver à améliorer d'un facteur 10 à 50 en fonction du départ sur les pièces. Et donc les coûts de reprise, là aussi vont fluctuer. Et par rapport aux coûts sur les pièces, on peut arriver à d'un facteur 2 à 10 aussi en fonction de l'application, et de 2 à 5. Donc, par contre, ce qui est vrai, c'est que la qualité finale qu'on va obtenir sur la pièce, elle est aussi fortement dépendante de la qualité de la métallurgie, de la santé matière. Donc, si on a des défauts importants sur les pièces, d'autant plus avec des procédés chimiques ou électrochimiques, on va révéler ces défauts sur les pièces. Donc, il y a aussi des post-traitements côté traitement thermique qui sont à prévoir et qui sont pas négligeables et qui font varier aussi considérablement les résultats qu'on peut obtenir en finition. Donc on a pu voir des procédés qui vont vers l'automatisation de la répétabilité pour accélérer justement ces opérations et réduire les temps de mise en œuvre. C'est effectivement intéressant, notamment aussi pour ce domaine d'activité sur les pièces de fabrication additive. Donc on a également certaines technologies sur les plateformes du CETIM, notamment sur Saint-Étienne-Écluse,
aussi bien l'usinage pour reprendre les pièces que les différentes solutions qu'on a pu voir. On a d'autres technologies aussi dont je n'ai pas parlé ce matin, la trovalisation magnétique qui permet d'aller dans des petits détails sur des pièces, pourquoi pas de fabrication additive également. Et puis, donc on fait du transfert également sur ces technologies, de la faisabilité pour tester des combinaisons de technologies, par exemple, sur les pièces. Et associer donc une formation qui comprend également ce que je n'ai pas évoqué ce matin, le dépoudrage, le nettoyage des pièces, associé en amont, sortie machine, avant de passer sur des étapes de finition qu'on vient de le voir. Donc voilà, j'en ai terminé. Et puis, si vous avez des questions, j'ai tenté d'y répondre. Merci Stéphane. Je crois que nous avons des questions côté web. Merci pour la présentation. Là, donc une question effectivement qui concerne le procédé électrochimique hirtisation. Comment les flux hydrodynamiques font la différence entre la matière des supports à enlever et la matière de la pièce qui n'est pas à enlever du coup? Alors ça, je ne saurais pas répondre puisque c'est un procédé qui est très fermé. Et on n'a pas accès aux informations, ni même à la composition des mains chimiques. Donc ça aussi, ça peut être un frein en fonction de l'application. Bonjour, moi j'ai une question concernant la transition entre la pièce imprimée et la tribofinition, ou la finition électrochimique. L'usinage proprement dit, quand on a des pièces précises de l'ordre du centième ou du micron, avec de la haute précision, comment on passe de la phase d'impression à la phase de super finition visuelle de la pièce, quelque part. Parce que les problématiques du terrain aujourd'hui, pour faire la transition entre les moyens d'usinage, enfin, les conceptions classiques et l'obtention d'une pièce prismatique ou usinée en 5 axes, et l'impression 3D, il y a quand même de l'usinage à prévoir, ou des traitements thermiques, et... avec des précisions de l'ordre du micron, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la conception, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'usinage, comment on adapte ces pièces-là pour les rendre usinables, pardon. Et parce que ce qu'on nous a présenté aujourd'hui, c'est des pièces qui sont quelque part finies d'impression, mais qui n'ont pas forcément de reprise mécanique. Et la problématique aujourd'hui, elle est souvent là. On a des besoins de précision sur les pièces. Quel move ou quel remède vous avez par rapport à ça ou quel conseil? Alors les remèdes, malheureusement, j'en ai pas forcément. C'est ce que vous évoquez, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut chercher le micron sur des états de surface de départ qui sont élevés, il va falloir, ou des codes fonctionnels, il va falloir utiliser des moyens où on va enlever la matière, où on sait exactement ce qu'on enlève, donc souvent par usinage, sur des cotes très précises. Parce qu'après, on en a vu, on est, alors hormis sur les procédés vraiment de super finition, mais là, c'est pour apporter un fini de surface, une brillance, mais on a déjà la qualité, on va dire, géométrique de la pièce. On va apporter cette qualité-là. Sinon, on va enlever de la matière et forcément, on va toucher à la précision de la pièce. Donc, c'est effectivement ça peut être une difficulté. On va pouvoir transposer sur des pièces très, très précises et utiliser peut-être d'autres technologies si on cherche vraiment la très haute précision. Ou réusiner les zones si elles peuvent être réusinées. Après, on a d'autres technologies, comme le plasma dont je n'ai pas parlé, qui vont permettre aussi d'apporter mais un état de surface de départ qui doit être bon. Quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, nous avons une autre question. Juste peut-être pour compléter, ouais. D'où l'évolution aussi des technologies de fabrication additive pour baisser le RA, pour plutôt que de partir sur de l'EBM où on a des RA qui sont très importantes, plus de 50 à 100, ou ce qui est évoqué, le metermédon jetting, on est plutôt entre 5 et 6. Donc déjà, il y a un gap qui fait que... Mais ce n'est pas aujourd'hui suffisant. L'idéal, ça serait de ne pas avoir à reprendre les pièces, clairement, pour bénéficier de toutes les formes, de tout ce que peut apporter la fabrication additive, parce qu'on rajoute des contraintes avec la finition ou parachèvement. J'ai une... Petite question, enfin deux, est-ce que ces procédés sont applicables à la fabrication qui n'a pas été faite par fabrication additive? Et deuxièmement, est-ce que on peut réaliser des épargnes sur des pièces, sur des procédés où on voudrait baisser les RZ de l'ordre de 3 microns, enfin inférieur à 3 microns? Est-ce qu'on peut faire des épargnes sur des pièces, entre autres sur les procédés électrolytique ou
Alors effectivement, ça dépend des procédés, mais oui, il faut trouver la bonne solution pour épargner. Enfin, il faut voir au cas par cas qu'est-ce qu'on veut épargner, mais ça peut s'envisager. Et effectivement, les technologies, elles peuvent s'utiliser, peut-être hormis l'aertisation, où l'idée, c'est de partir d'un RA important. Donc, du coup, pas forcément utilisable sur des pièces usinées, mais sur d'autres matières, enfin, élaboration matériaux, oui, on peut les utiliser. Même, je dirais qu'on aura même des meilleurs résultats globalement. Si on a un RA, plus le RA de départ est bas, plus on va apporter quelque Ça, chose. par exemple, dans une retouche, on a un RA qui est un peu trop élevé et on a besoin de les baisser. Voilà, on est ou en RZ, hein, on est à 6 ou 7 et il faut descendre en dessous de 3, par exemple, mais qu'à un certain endroit. Est-ce que c'est des choses qui sont envisageables? Après, il faut regarder le cas concrètement et quelle technologie permet de le faire ou pas. Est-ce que Et ça peut s'envisager, après il faut. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bien, merci. Merci, Voilà, merci à vous. merci Stéphane. Nous arrivons à la fin de la matinée et à la fin de cette seconde webconférence.